Hello mes amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un petit projet, à savoir, je vais me fabriquer une batterie nomade portative. La base, c'est une batterie lithium LiFePO 4 de 30 ampères, une batterie comme ça, EcoWorthy. Alors l'avantage de cette batterie, c'est qu'on peut la décharger jusqu'à 100%. Alors 30 ampères, ça peut paraître peu. En effet, ça fait 384 watts exactement. Mais la décharger à 100%, ça veut dire qu'il y a 30 ampères de capacité. Et ça correspond à peu près à une batterie de 60 ampères. En batterie plomb, AGM ou gel. Des batteries qu'on peut décharger à 50%. Donc là, on peut décharger complètement 30 ampères dans de bonnes conditions. L'avantage de LiFePO 4, c'est que contrairement au LiPo, au Lion, c'est une batterie qui ne peut pas prendre feu, qui ne peut pas exploser, donc très sécurisée. Et puis on peut la charger très rapidement et la décharger rapidement. L'avantage aussi, c'est qu'elle a une durée de vie très importante. Il est donné pour 3000 cycles à 100% de décharge. 3000 cycles, c'est à peu près 10 ans de durée de vie. Donc je vais me fabriquer une batterie portable nomade. Je vais la faire en bois parce que j'ai envie de faire de bricoler un petit peu, j'ai le temps, j'ai ce qu'il faut, donc je vais m'amuser à la faire en bois. C'est évident que la batterie, on peut très bien la mettre dans ce coffret en plastique, une mallette métallique, et tout, moi je la fais en bois, ça m'amuse quoi. Donc les dimensions, 180, c'est pas la millimètre, 180, 175, 80 d'épaisseur. À signaler quand même, c'est que sur la revue du constructeur, du distributeur, la hauteur est donnée pour 160 mm. Et en fait, ça fait 175 mm, donc quand même 1,5 cm de hauteur en plus. Ça, il faut le savoir. Hein. Ça fait 3,2 kg, c'est très léger. Alors, j'ai tout ce qu'il faut pour monter ma petite batterie nomade. Hein. Compteur MPPT de chez Victron, là c'est le top niveau, hein. On peut mettre moins cher, hein. Mais bon, c'est la qualité, des prix T60, du fil 4 mm carrés, c'est tout ce qu'il faut. Alors mon but, c'est de partir sur une batterie de 30 ampères. C'est une batterie que j'ai quand même depuis le 5 2023, donc je la connais un petit peu cette batterie, hein. Et à savoir, elle tient 2 jours à peu près dans mon Kangoo avec une glacière de 15 litres, donc c'est léger et ça dure longtemps. Je dis bien que ça tient 2 jours sans recharge, évidemment, hein. Moi je compte la recharger avec le soleil et en roulant. Et ce que je vais faire 2 boîtes en fait. Je vais faire une boîte comme ça pour cette batterie, une seconde boîte exactement la même pour en mettre une seconde, ce qui fait que j'aurai 60 ampères de capacité, ce qui correspond donc à une batterie plomb de 120 ampères-heure. Ce qui est énorme déjà. Et l'avantage, 3,2 kg par batterie, donc 6 kg ou 6,4 kg d'ensemble de batterie. Voilà, j'ai quand même gardé le meilleur pour la fin. C'est une batterie de 30 ampères et coûte 109 euros, dérisoire quand même, donc hyper léger. Voilà un petit peu. Alors la suite de la vidéo, ce sera la fabrication de la caisse après la partie électrique et puis le final quoi. Voilà, ben, à tout à l'heure alors. Bon les amis, je vais attaquer ma petite boîte, je vais même en faire 2. Allez, on y va. Je vais rafraîchir un petit peu ma planche de pain. Là, il faut que je coupe mon fond à 110 mm. C'est déjà arrivé un petit peu. C'est pas mal. 110 mm. Nickel. Ça, je vais partir m'emmerder.
lame. Et d'ailleurs, vérifier quelques points. Je dois vérifier avec le guide. Mais bon, ça doit être bon. Voilà, les perpendiculaires. C'est nickel. Bon, ça descend un peu. Bien qu'elle soit si haute. Et voilà. Alors c'est la pile. Voilà. Allez, c'est parti. Et oui. Bon. Si je branche pas, ça va moins bien marcher. Mais bon, faut débrancher par sécurité. Pas déconner quoi, c'est bon, ça filme nickel. Allez, go! Et là, je voulais vérifier un truc. Non, c'est nickel. Voilà, perfecto. Alors, déjà, 10, 110, 110 kilos. Ouais, je me le fais là, je préfère. Parfaitement d'équerre. C'est ce que je lui demande. Donc là, il va falloir que je fasse deux supports de fond. De fond tout court. Là, il faut que je coupe à 230 mm. 230, c'est super. Alors. La partie pour couper. Voilà. Comme ça. Yes. Faire 230, ça y est.
comme ça. Allez. Fasse des feuillures sur le fond, sur mes deux fonds. Voilà, là. Avec ma toupie homemade. Ouais, je vais garder ça à l'intérieur. Voilà. Petit par le bout. Si ça éclate, je serai bon. Contrôle. Où je branche. Voilà. C'est bon. On va voir ce que ça raconte. Alors là, faut faire très attention. Ça peut être dangereux. Il faut approcher là, légèrement. On va le faire. Il faut voir si c'est bon. Oh, c'est pas bon du tout ça. Ah oui, ça c'est bon. En bout, ah oui, bien en bout, évidemment. C'est parti, il y a une petite colle. Une petite colle à bois. Peu généreux d'ailleurs. Ça. Ouais, faut que ça tienne. Le surplus, je l'enlèverai plus tard. Lui, il y a ce qu'il faut. Hein. C'était généreux encore là. Ici, sinon, on voit des ponçages. Ça va le faire. La boîte. Alors.
Alors, voyons voir. Il est peut-être sec, mon bâtard. Enfin, c'est un petit peu sous tension. Alors, la hauteur. Bon, là, je vais continuer mes petites boîtes. J'en ai terminé une, pratiquement. Là, j'ai mis des baguettes dedans, le fond. Je vais remettre le nas, ici. C'est comme un paquet de 4 mm, il faut renforcer un petit peu. Donc, je vais terminer celle-là. On va voir ce que ça va donner. Déjà, d'entrée, ça va nickel. Pas mal comme ça. Allez, la colle. C'est toujours aussi chaud. Ah vache. Le liquide de ma colle. Bon, maintenant je vais pousser mes boîtes. Allô Kiki, tu te promènes? Kiki, c'est ma petite chatte, toute noire. Maintenant, je vais retailler mes boîtes très très légèrement, qu'elles soient rigoureusement identiques toutes les deux. Et voilà, elles sont pareilles toutes les deux, nickel. C'est pas beau ça? J'arrive à la fin de la fabrication de mes petites boîtes. J'en ai fait deux comme ça. Donc, il y a des baguettes d'angle partout. C'est rigide, mais solide. Et maintenant, je fais le couvercle. Différents perçages pour des éléments, des prises, interrupteurs. Voilà, je vais passer.
Viens voir ça. Ça relève une petite peur, ça. Commencer par les perçages avec la scie cloche. Hop. Bon, maintenant il faut que je fasse des petits trous ovales, on va dire ça, pour mettre des prises comme ça. Il faut que je l'encastre. Ce sont des fiches XT60 de tableau, on va dire. Ouais, ça va le faire. Nickel. Voilà, ben, je vais finir laisser un petit peu et je continue le montage. Voilà les amis, j'arrive à la fin de ma menuiserie. J'ai fait des petites ouvertures comme ça, tout simplement sur des poignées. Très sympa à faire avec la petite machine. Maintenant, je vais casser les angles. C'est nickel, comme ça. Et puis voilà. Un petit coup de ponçage. Alors pas mal, allez, la mousse. Un petit bout de ponçage et mise en peinture après. Et après ça sera la partie électrique. Voilà, c'est tout ça. Voilà les amis, maintenant je continue ma partie électrique, j'ai commencé un petit peu, je vais servir l'interrupteur déjà. Voilà ma belle façade, sympa. Bon, c'est évident que le contrôleur Victron est un peu gros, j'aurais pu le mettre dans la boîte, mais bon, ça fait une boîte plus importante. Mais bon, là j'aime bien le côté rustique, puis je vois s'il y a quelque chose qui déconne, quelque chose qui est débranché. Voilà, je peux réparer, mais même éventuellement le changer, j'ai rien à démonter. Alors là, j'ai commencé à câbler.
Là, c'est la prise qui va aller sur le panneau solaire. Hein. Et mon petit fer à souder, il a un peu de mal. Bon, ça va le faire. Hein. Ouais, c'est pas trop mal. Voilà, on va mettre ça. Alors ça, c'est une prise XT60 de tableau. Le côté plat de prise, c'est le plus. Hein. Branchement pour le panneau solaire. Voilà, un petit peu là. Là, un peu large. Je vais quand même étamer le bout. Bon, ça va le faire, ça. Ne brûle pas, toi. Alors, voyons voir. Mouais. Voilà. TV, panneau photovoltaïque. Et mon petit mouais. Voilà, c'est serré. Là, ça va. C'est pratique avec des bornes à vis comme ça. Mettre ce qu'on veut, se modifier comme on veut facilement. Et puis c'est fiable. Et puis là, c'est du vitron, ça doit être bon à torse. Serré, pas où. Voilà, plus, moins, PV, tout est bon. Là, peut-être un collier là, allez, un petit collier. En fait, sans petit collier comme ça noir, 50 centimes chez Action, ça vaut vachement le coup. Hein. 56 centimes, hein. Dérisoire. C'est des gros hein, en troupe et des petits pas de cours. Hein. Bon là je reprends ma vidéo, j'ai eu des invités surprises. Oh c'est une fin de vidéo. Hein. Voilà, bon venez voir ça. Alors, on va continuer un petit peu légèrement. Alors je vais utiliser ma troisième main, c'est très pratique ça.
Ouais. Voilà un petit peu le détail du câblage. Ça, c'est les trois prises de sortie qui sont mises en parallèle. Ce fil ira directement à la batterie. Voilà tout le reste, l'interrupteur, l'entrée pour le panneau solaire. Et puis voilà. C'est à l'envers, on va le mettre à l'endroit, ce sera mieux. La deux prises USB de charge. Voilà, complète. Et la deux autres avec le contrôleur de tension. Là c'est l'entrée solaire, l'interrupteur de mise en route. Là, le contrôleur MPPT de Victron Energy, un contrôleur où on peut mettre un petit dongle ici là, ça coûte 40 balles et avec ce système là ça permet d'avoir toutes les données sur le portable, sur une application de Victron. Bon, je vais pas le faire, c'est intéressant quand même hein, parce qu'on peut voir tout ce qui rentre, tout ce qui sort, les constantes, enfin bon bref, je vais pas acheter le bidule. Et ça, c'est sorti, par exemple, la caissière, un chargeur, autre chose. Et puis, à partir de cette prise-là, je mettrai peut-être, certainement même, un fil qui relie l'autre batterie. Comme ça, les deux batteries de 30 ampères seront mises en parallèle. Ça fera 60 ampères. Voilà le bidule. Très simple, avec que de l'essentiel. Rien de plus. Voilà mes amis, ma batterie nomade est terminée. J'ai fait une belle décoration au pochoir. Même topo sur la seconde batterie additionnelle. Et je pense réunir les deux batteries avec des renouillères. Donc c'est rapide à mettre en place et à défaire. Et suivant les besoins, je prends une batterie ou deux batteries. Comme ça, je peux très bien avoir une solution très légère avec une seule batterie ou avec deux batteries. Ça doit correspondre à 7 kg grosso modo quoi. Donc là, je mets prise de recharge USB, il y en a 4. Là je lis la tension là-dessus, tension de la batterie, l'interrupteur de mise en route, l'entrée solaire, le convertisseur solaire, contrôleur solaire, pardon, 3 prises 12 volts pour la glacière et tout le reste. Pour avoir deux batteries en parallèle, je branche un fil ici. Et puis voilà, donc 384 watts pour une batterie seule et 768 watts pour deux batteries. Un petit peu comme l'EcoFlow River 2 Pro qui fait 768 watts avec la même technologie de lithium. La différence c'est que l'EcoFlow coûte 700 à 800 euros. Là chaque batterie coûte 109 euros. En ayant un contrôleur solaire moins cher que celui-là, à 150 balles, vous avez une batterie nomade toute légère. Et même avec deux, soit 60 ampères. Pour moins de 300 euros, vous avez une batterie complète. Hein. Et l'avantage c'est que c'est réparable, vous pouvez rajouter des choses, vous faites ce que vous voulez quoi, c'est modulable. Et puis quand on le fait soi-même, c'est plus sympa quand même. Là mon prochain van que je vais aménager cet hiver, un Vivaro 2, l'équivalent du trafic. Il y a du boulot pour tout l'hiver, je vais m'amuser. Voilà ma batterie nomade, c'était bien sympa à faire. Voilà les amis, l'aventure de ma petite batterie nomade est terminée. J'ai bien aimé la fabriquer, la concevoir. Toute légère, vous voyez, toute petite. Après, ce qu'il faut retenir, c'est le principe de base, une batterie lithium pas très chère. On y met les accessoires qu'on veut. Libre à vous de faire une boîte en bois, de prendre un coffre en plastique, en métal. C'est l'idée de base qu'il faut retenir, c'est tout. C'est le plus important. Ça c'est ma batterie AGM que j'avais précédemment, qui marche toujours très bien depuis 2018. Donc, c'est une batterie au plomb de 24 ampères, soit 12 ampères disponibles. Donc c'est un petit peu
peu limité en autonomie, bien que je me sois toujours bien débrouillé avec. Hein. L'avantage, c'est qu'avec 24 ampères, ça se recharge très rapidement, contrairement à une batterie beaucoup plus importante, qui pose problème pour la recharger quand il n'y a pas de soleil, quand on ne veut pas rouler. Une petite capacité, ça se recharge très rapidement, finalement on n'a plus d'autonomie que des grosses batteries. Ça marche toujours très bien, bon c'est le bois, ça c'est tout léger, on va dire que c'est la nouvelle génération, c'est comme ça. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien. Allez, ciao !